serait là, je pense. Parce que là, la harpe est lock. Carrément stun. Bien. Oh. Oh là. Pas facile. Oh les tirs. Ah ça c'était magnifique. La lance qui passe au-dessus de la tête, je sais pas. Ah je m'étais trompé de sens. Ok, bon ça, on va pousser. Hein. Hop. Ça, on ramasse et on va le mettre là. Voilà. Normalement, ça devrait m'ouvrir. Oh, j'ai mal mis. Est-ce qu'il y a quelque chose à... Non, il n'y a rien du tout. Par le plafond, il n'y a rien. Attendez, j'ai raté quelque chose ou quoi? Ça, il n'y a rien. Coffre peut-être. Elles... Oh... Elles font quoi? Hop. Qu'est-ce qu'elles font? Vous pouvez planer, planer, planer. Ces ailes ont été fabriquées par le célèbre Dédale. Ok, on dit que ces ailes sont alourdies pour la douleur... Par la douleur ressentie par une femme jadis belle et depuis transformée en gorgone. On va essayer ces ailes-là, même si je trouve les autres plus jolies. Ok. L'air de rien, là ça m'aide pas en fait. Pourquoi? Ah ok. Je pense juste qu'il faut inverser. Poids plume, ouais il y a une plume donc c'est poids plume et l'autre c'est une enclume donc c'est le plus lourd. Hop. Fallait juste regarder les dessins. Là tout est allumé, ça c'est bon. Voilà. Ça portait à confusion. Bah oui, voilà, ça se fait tout seul. Oh! Non, je peux pas planer avec par contre. Dur. J'essaie de broc un peu le game, mais je ne peux pas planer. J'arrive! Avec les boules. Petit puzzle. On aime le puzzle. Je vais pouvoir faire de la harpe maintenant. Y'a pas un truc derrière? Non. Allez hop, ça disparaît. Marchant sur les traces d'Ulysse, Phénix était prête à briser la malédiction et à découvrir le secret. Au péril de sa vie. C'est une quête annexe. On ne meurt jamais pendant une quête annexe. Jusqu'à présent. On va éviter de tomber dans l'eau en bas. Ok.
Donc je suppose qu'il faut retourner voir le bon titan là. Allez. Allez, on y va. Au pire, je couperai l'épisode parce que ça commence à faire un peu. Je pense que je vais être trop bas. Et il y a un coffre là-haut, du coup on va le récupérer. Je dirais même plus. Il y a encore quelque chose ici. Je grimpe alors qu'il y a un chemin, je sais pas ce qui est plus rapide. On ne le saura peut-être jamais, la flemme de chronométrer. Mais non, ce coffre, je l'ai déjà fait. Libérer Polyphème de la malédiction de Circé. Pas de soucis, moi je te fais ça. Pas de soucis. Voilà, c'est par là-bas. Il y a littéralement... si, il y a un chemin. Non, il n'y a même pas vraiment de chemin. Il n'y a pas réellement de chemin. J'ai la flemme de tout réescalader, les gars. Si vous saviez. Ça va cramer mes popos en plus. Bonjour toi. Oh shit. Deux boss. Je dirais que c'est pas que deux boss. Je crois que j'ai amené des ennuis. Oh, j'ai plus assez. Ouh là là. Oh non. Ma première mort. J'avais plus d'énergie pour esquiver. Utiliser la boussole, oui bah ça, j'avais un peu deviné. Mais c'est quoi tous ces boss là? Bon là je gagne pas d'XP, je gagne rien. Au final il y a pas vraiment. Ça fait pas plus de dégâts. Repli stratégique. Tu sais, j'ai couru un truc dans l'eau là-bas. Ok, il faudrait réussir à les séparer, comme on dit. Hein. Ok. Là, tu te dis pop, je sais pas pourquoi. Mais ça m'arrange. Hein. Ok. Bon, c'était pas si facile, mais c'était pas si horrible non plus. Je sais pas à quoi peuvent servir les flics d'Olympe. Est-ce que c'est le chemin pour monter tout en haut? J'aimerais bien, honnêtement. Il n'y a pas l'air d'avoir de grotte là-haut. Je vais aller vérifier. Je vais vérifier au cas où. Moi j'ai toujours cette histoire de grotte qui me tire le ping dans la tête là. Ah, il est là le chaudron. Utiliser des ingrédients collectés pour préparer des potions et accroître. Joli chaudron. Phoenix laissa le compliment s'éteindre dans le silence.
et s'efforça plutôt de se concentrer sur d'éventuelles recettes de potions. On l'utilise totalement. Alors, potion d'attaque. Amélioration des armes et aptitudes pendant 90 secondes, plus 40% de dégâts. Ok. Et il faut des figues. Et y a rien d'autre qui a besoin de figues. Non, bon, on va faire ça. Je peux en fabriquer que deux, on va dire que c'est mieux que rien. Potion de vie, j'ai pas de quoi en faire. Amélioration de la défense pendant 90 secondes. J'ai deux potions. Oh, amélioration de potion. Je peux pas acquérir... j'ai pas assez de... Par contre, c'est pas mal qu'on puisse améliorer les potions, en vrai. Bon, ok. Ok. Donc la potion d'attaque c'est la violette, la potion de défense c'est la jaune. Et je pense que je vais en avoir besoin, ça c'est certain. Oh regardez-moi ça. Nectar de fleurs. On va s'empresser de les utiliser. Il me semble que c'est pour ça. Hein. Ah ouais mais il en faut 6. Ça se récolte ça, non? Ok. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un truc au-dessus. Mais non, pas plus que ça. Ok. Je suppose qu'il faut faire ça. Jusque là, tout va bien. Jusque là tout va bien. Alors par contre ah ok. Oh, tout juste hein. Phoenix devrait tracer son propre chemin jusqu'au sommet, comme Philoctète l'avait fait pour avertir Ulysse. Tu vois, Ulysse est revenu parce qu'il avait besoin de l'arc d'Héraclès pour gagner contre Troie. Alors, il a emmené Philoctète sur le site de la guerre de Troie. Moi aussi, je peux inventer des noms. Rimsky-Korsakov. Zeus, Philoctète est très célèbre. C'était le fils d'un roi. Et c'est pour ça qu'Ulysse a dû le ramasser pour l'avoir avec lui lors de la guerre de Troie. Ses parents étaient cousins, non? J'abandonne. Enfin. Allez, Phoenix! Regardez-moi ça. Si c'est pas beau... Trouver une petite grotte. Oh, on peut couper l'herbe. Ça sert à rien, mais c'est classe. Sans pourquoi. Ok. Là, y a rien, y a rien. Je fouille bien. Oh shit, ça va. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, je suis content là. Je profite bien de la démo. C'est pas une démo qui dure 20 minutes comme certains jeux, ça c'est bien. Je grimpe par là, mais je sais pas du tout si c'est par là qu'il faut grimper. Oh! Heureusement qu'on peut s'accrocher, hein. C'est moi qui vous le dis. Ok. Ramasser un caillou, ça m'intéresse pas. Par contre, tous les champis d'énergie qu'il me donne. C'est légèrement abusé. Ça, je pense que ça nous fait tomber. On va pas tenter le coup. Et je sais même pas pourquoi il nous donne des rochers de partout. Enfin, c'est juste là au hasard ou pas. Collecter. Collecter. Ok. Champi là. Je pense que c'est par là qu'il faut passer.
S'il nous donne du champi sur la route. Ouais, 15 champi. Oh non, j'ai utilisé une potion, sérieusement. Sérieusement, j'ai utilisé une potion, c'est pas vrai. Et avec tous les champis que j'ai, j'aurais pu faire une... Je pourrais faire des popos. Oh, je suis de la haine. Je suis dégoûté, littéralement. Et en tout cas, j'avais raison, au final, on revient sur l'île de départ. Je vais aller voir tout en haut. S'il n'y a pas... Ah si, il y a une ambroisie. L'ambroisie, ça c'est bon. Regardez-moi ça, c'est stylé quand même. Du coup, nous, notre objectif est juste là, au final. Voilà. C'est ainsi que Phénix libéra le Cyclope de la malédiction de Circé. Il est immense. Ô sage Cyclope, quel est le secret des dieux ? Le Cyclope se tourna vers elle et dit : Phénix, le secret était en toi depuis le début. Quoi ? Et le Cyclope ajouta : je ne suis qu'un petit fragment d'une planète vivante. Mais en quoi c'est un secret, ça ? J'ai voyagé dans le temps pour te sauver d'un avenir terrible. Mais qu'est-ce que ça... Je vois des cadavres. Non mais arrête ! En fait, non. Le Cyclope a dit : je sens la chair humaine. Je vais liquéfier tes organes, les touiller dans une eau forte avant de les faire bouillir avec mes lasers. Quoi ? Lasers ? Oui, oui, des lasers. Tu ne connais pas ça, Prométhée ? Le Cyclope pouvait concentrer la lumière du soleil avec son œil. Oui, non, mais bien sûr. En fait, ce qu'il faudrait, c'est plutôt une loupe. On t'a rien, demandé. Fini les lasers. Combat ! Ah. Je me disais aussi. Défense. Ouch. Ok, ça fait mal. Oh, je peux enchaîner ça dans les airs, c'est stylé. Oh, je voulais le ramasser. Je pense clairement pas que je puisse contrer son attaque. J'aurais pas dû en faire deux parce que j'ai plus d'énergie. J'ai ici. Ça, je peux le parer. Ça, c'est classe. Tiens. Oh, du 200. Il va m'arracher un pylône dessus, il va me balancer. Oh, genre ça me touche quand même. Et... Oh, il vise bien, il pré-shot. Bam. Et ainsi le Cyclope ferma son œil pour. Mais Phénix était trop occupé à regarder sa nouvelle armure super chouette. Fin. De quoi fin? Et c'est la fin. N'importe quoi. Donc finalement, aucun secret des dieux. Hein? Tu as perdu, ô Zeus. Pas une seule vérité dans le récit grotesque que tu viens de faire.
C'est moi, Prométhée, qui triomphe. Tu as quelque chose à ajouter ? Pardon, je mangeais. Tu as raison, ils sont vraiment juteux. Un fruit de Gaïa ? Ah bah forcément, faire des paris quand on est enchaîné. D'ailleurs, c'est ça le vrai secret des dieux, l'oppression. Eh dis donc, mais je viens de gagner le pari, non ? Pas mal. Pas mal, pas mal, je m'y attendais pas. Franchement, cette démo, j'ai rien à dire pour l'instant. J'ai aimé du début à la fin. Les graphismes sont très sympas. Le jeu est plutôt bien optimisé. Les mouvements sont fluides. Ça, je veux pas le combattre. ouais, que dire de... Il y a pas mal de choses. Et les améliorations de potions... la création de potions, l'équipement qu'on peut améliorer, on peut changer l'apparence, on a les compétences, je pense qu'on peut en avoir bien plus que ça, que ce qu'on a vu. C'est franchement, franchement pas mal. J'ai franchement bien aimé, je sais pas combien de temps ça m'a pris de faire ça, je pense qu'une bonne heure, je pense. Mais j'ai beaucoup aimé. Édition Gold, édition standard. La tâche est de sauver les dieux grecs d'une sombre malédiction, affronter les créatures mythiques, maîtriser les légendaires pouvoirs des dieux et triompher de Typhon, le titan le plus meurtrier de la mythologie grecque lors d'un combat épique qui restera dans les mémoires. Ça, c'est la version standard. Et la version gold, bien sûr, Season Pass, avec des nouvelles expériences de gameplay, donc je pense que ça débloque les DLC qui font sûrement. Le pack Hades, maître de l'ombre, maîtriser les pouvoirs des ombres et des secrets avec ce pack, comprend de l'équipement et l'apparence d'Hades. Le pack d'armes d'Orion brandissait le pouvoir d'Orion des constellations avec ses apparences d'armes célestes. Les ailes prismatiques distinguez-vous avec ses ailes en arc-en-ciel. Ça fait pas mal de choses, mais en soi pas mal de cosmétiques. Et bah voilà, hein. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette petite série découverte même vous aura plu sur Immortal Phoenix. Rising, je pense que honnêtement ça ne me dérangerait pas d'y jouer. Parce que le jeu est vraiment plaisant à jouer. Mais j'ai pas la thune pour me lâcher. donc voilà, j'ai profité de la démo. Sur ce, les amis, merci encore une fois d'avoir regardé avec moi. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde, tchuss!